Tú vas a mi casa y no verás ni un recuerdo de mi etapa de futbolista. No le intento transmitir a mis hijos que tu padre fue muy bueno o muy malo, depende para quién. Viva Luis Enrique a la puntada, la gran prueba del shoot. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Al gol de Luis Enrique! ¡Que crida la banda! ¡Alza gol! Intento transmitir valores que me transmitieron a mis padres y que me transmiten todavía. De que la amistad, ser buena persona e intentar conseguir ayudar a la gente te va a reportar muchos más beneficios. Y en mi etapa de futbolista tengo tan buenas relaciones con muchísima gente que me llenan mucho más que otras cosas. Recuerdo mucho más esas cosas, intento transmitírselas a mis hijos, porque esas cosas llenan mucho más que una foto con una copa o una foto metiendo un gol de cabeza. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, leader du marché des VPN. Mais alors, avant de vous expliquer ce qui distingue NordVPN des autres fournisseurs, voyons ce qu'est un VPN. Lorsque vous êtes connecté sur Internet, vous êtes identifiable à travers votre adresse IP. Le rôle d'un VPN est précisément de cacher cette adresse IP qui vous est propre, protéger votre identité en ligne. Le VPN vous protège contre les interférences, l'espionnage et la censure. Votre adresse IP est masquée et vos données chiffrées. C'est d'autant plus utile pour les personnes qui se connectent sur des réseaux publics dans lesquels la sécurité est moindre, tout le monde y a accès, potentiellement des personnes malveillantes. À la manière du Catenaccio, mettez un mur devant la toile, protégez vos mots de passe, email, photos, données bancaires et autres informations sensibles et naviguez sans problème. Un VPN vous permet aussi de choisir votre localisation. Avec NordVPN, profitez de plus de 5500 serveurs dans 59 pays. En plus de vous assurer une meilleure protection, cela vous permet d'autre part d'accéder au contenu indisponible dans le pays où vous vous situez. Pourquoi NordVPN? NordVPN s'est imposé au fil des années comme une référence dans le marché des VPN, le meilleur rapport qualité-prix. Simple d'utilisation, application légère avec une interface épurée, abonnez-vous avec mon lien spécial qui est dans la description pour profiter de moins 70% de réduction pendant 3 ans et entrez mon code promo pour profiter en bonus d'un mois supplémentaire gratuit. L'avantage de NordVPN par rapport aux autres services est aussi la vitesse de connexion. C'est l'expérience VPN la plus rapide, la plus stable. Enfin, NordVPN est toujours dans l'innovation. Le dernier projet en date est la technologie NordLynx offrant une connexion à haut débit tout en maintenant les avantages de sécurité du VPN. Comme Luis Enrique s'est laissé tenter par Barcelone, laissez-vous tenter par NordVPN, tout est dans la description. C'est dans les rues de Gijón que cette histoire commence, dans lesquelles un jeune garçon nommé Luis Enrique s'initie au football. Dans son école, Elisburu, il intègre une équipe de futsal. Son entraîneur Marino, qui apprécie le joueur, demande à l'entraîneur du club de Cheitosa, José María Brito, de venir observer le garçon. Celui-ci découvre un enfant talentueux, avec beaucoup de personnalité dans le jeu par rapport à son âge, avec du caractère, ce qui l'interpelle. Alors, à seulement 7 ans, il le prend en charge dans le club de Cheitosa. À cet âge, Lucho montrait déjà l'engagement qui le caractérisera si bien à l'âge adulte. Un jeune complet, intelligent, rapide, agile, un sens du but et une certaine malice, mais surtout de la discipline. Un véritable petit soldat, obéissant et travailleur. Même s'il est droitier au départ, qu'il marque beaucoup de buts, qu'il est très bon, son entraîneur José María le fait beaucoup travailler sur son pied gauche, raison pour laquelle il est devenu très habile des deux pieds. Tout ce qu'un entraîneur lui demande de réaliser, il le réalise, tant que cela peut l'aider à s'améliorer, et tout ceci dans le seul but d'aider son équipe. Dès le plus jeune âge, il a toujours été un joueur ne s'intéressant pas aux récompenses individuelles, ou à tout ce qui entoure le football. Jouer, s'amuser, aider les siens, c'est tout ce qui l'importe. C'est dans ces années que son amitié avec Abelardo commence, un enfant avec qui il avait déjà partagé une classe à l'école. Et il se trouve qu'ils évoluaient dans le même club, dans la même équipe qu'il mène au titre de champion des Asturies. Les années 80 s'amorçaient de la plus belle des manières pour Luis Enrique et son ami Abelardo. Des terrains réduits du futsal, ils s'apprêtaient à faire le grand saut. Ils intègrent à l'âge de 11 ans le centre de formation de Mareo, qui venait d'ouvrir à peine quelques années en arrière, avec pour ambition d'arriver un jour en équipe première du Sporting de Gijón. C'est le véritable rêve de Luis Enrique, un enfant qui porte le Sporting dans son cœur. Le problème, c'est qu'on brisera très rapidement son rêve. Lui et Abelardo sont mis de côté. Ils ne jouaient pas tellement. Luis Enrique quittera Mareo après 3 saisons. Jugé frêle physiquement et pas suffisamment au niveau, le jeune homme de 14 ans jouait à peine quelques minutes et dans des positions assez défensives. On l'appelle et lui affirme qu'un club s'intéresse à lui. Le club Deportivo Labrania, du quartier Tremañes à Gijón. C'est alors qu'il est cédé et quitte l'école de Mareo. Mais il reste une possibilité de revenir, puisque Labrania avait un accord de collaboration avec le club rojiblanco pour lui fournir des joueurs qui l'intéressaient. Abelardo lui aussi rejoint ce club, même si lors de la 2e saison, il le quittera pour rejoindre Estudiantes. C'est à Labrania que Luis Enrique se forge comme joueur. En tant qu'attaquant central, il gagne une place de titulaire et devient un buteur hors pair. C'est dans ce club qu'il rencontre celui qui sera son mentor, et aujourd'hui un de ses meilleurs amis, son entraîneur Ismael Fernandez. C'est lui qui, comme Brito, a vu quelque chose de spécial chez cet enfant. Lui, il lui voyait un grand avenir dans le monde professionnel. Il est celui qui a misé sur lui, qui lui a fait confiance, celui qui ne doutait pas une seule seconde de son talent. Ce qui est surprenant, c'est qu'il tapait autant à l'œil de cet entraîneur au milieu de gamins plus âgés que lui, puisqu'en 1985, il passe déjà en catégorie juvénile. Il pouvait donc affronter des joueurs de 18 ans. Pourtant, il ne se laissait jamais intimider. Il tourne même entre 25 et 30 buts par saison. Ismaël s'en souvient comme un joueur de caractère, d'ambition, de persévérance, qui se donnait à fond et qui répétait les efforts sans jamais se fatiguer et ayant une facilité innée pour le but. La progression et l'exemplarité de Luis Enrique étaient telles qu'à seulement 16 ans, son entraîneur le nomme capitaine de l'équipe juvénile, alors qu'il y avait bien plus âgé que lui. Tout ça parce qu'il était pour lui le plus responsable, celui qui ne manquait jamais une séance d'entraînement, toujours prêt à l'heure, convenu, avec son sandwich et son sac à dos après avoir quitté l'école. C'est celui qui donnait le plus pour l'équipe, qui aimait le plus jouer, apprendre, travailler. Ce brassard était comme une récompense, il en était digne. Si son entraîneur voit déjà un grand avenir en lui, le jeune homme à ce moment est plutôt pessimiste. Un jour, un après-midi, après un entraînement, il ramassait les ballons pour les mettre dans le sac et il dit à son entraîneur « Penses-tu qu'un jour je jouerai en 3e division ?» Il lui répond « Non, tu seras footballeur professionnel. » Ce dernier avait vu juste. Luis Enrique ne tardera pas à se faire un nom. La presse locale parle déjà des merveilles d'un jeune attaquant rapide, grand et maigre qui marque des buts avec une facilité déconcertante. Il commence même à jouer avec la sélection juvénile des Asturies. Ses magnifiques performances lui donnent une certaine visibilité. L'été 87 est un point d'inflexion. À partir de là, il devient l'une des plus grandes promesses des Asturies. Son dossier est sur la table de nombreux clubs, et pas des moindres. Le Sporting le recontacte pour avoir quelques discussions avec lui, mais on lui affirme qu'il n'aurait pas encore sa place en équipe première juvénile, et que pour le moment, il était préférable de continuer à Labrania. Pendant la saison 87-88, il capte même l'attention d'un recruteur du FC Barcelone, qui était chargé de repérer les talents dans le nord de l'Espagne, précisément dans les Asturies, Isidoro Sánchez. Ce dernier commence à le suivre de très près, partout, que ce soit dans les matchs à domicile ou dans les matchs à l'extérieur. Il rédige rapidement un rapport qu'il envoie à Barcelone. Le club a pris son temps, ne s'est pas précipité, a vérifié que le jeune Luis Enrique remplissait tous les critères. Être un bon joueur de football ne suffit pas pour intégrer la Masia. Le plan humain a aussi une grande importance. Son environnement personnel, familial, son comportement en dehors des terrains était tout aussi important que son niveau de football. En l'occurrence, Luis Enrique remplissait tous les critères. Modeste, professionnel, discret, bien entouré, profil validé. Barcelone l'invite à passer un test avec la catégorie juvénile. Après avoir eu l'autorisation de son club et de ses parents, le jeune homme de 17 ans était déjà en plein rêve. Un séjour d'1 semaine à Barcelone qui pouvait être décisif pour son avenir. Mais il est très nerveux, très anxieux, comme en témoigne cette anecdote selon laquelle il aurait perdu le billet du retour en atterrissant à Barcelone. Le Barça, qui avait financé le voyage, se devait de lui payer un autre billet. Il séjourne dans un hôtel à quelques mètres du Camp Nou. Le premier test a lieu dans des vieux terrains annexés au stade. C'était un mardi. Avant même de commencer l'entraînement, il disait ressentir une gêne aux adducteurs, alors qu'il n'avait jamais été blessé dans cette zone. Le fait est que le jeune homme est trop anxieux. Mais le club le comprend, lui dit de prendre quelques jours de repos et de revenir vendredi car il y aurait un match d'entraînement avec la catégorie juvénile. Comme prévu, vendredi, il enfile les crampons et part pour le match test. Un match dans lequel le jeune Tito Villano va jouer aussi. Sous l'œil vigilant de l'exigeant jury du club, des entraîneurs et responsables de la Masia, il joue. Mais à vrai dire, lors de ce match, il perd absolument tous ses moyens. Il ne montre rien d'intéressant. Après le match, Romero, le responsable des catégories jeunes, est allé le voir à son hôtel pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. « Tu as peu fait », lui dit-il. « Oui, je sais », lui répond Luis Enrique, déçu, découragé, avant de prendre le chemin retour pour les Asturies, où son club l'attendait pour jouer un match important en fin de saison. Le club catalan lui conseillera de ne pas cesser de travailler, de ne pas baisser les bras. Mais quelques jours plus tard, il demande à Sánchez de laisser tomber la piste du jeune homme. La déception de Luis Enrique s'estompera rapidement, puisque son dossier est sur le bureau de plusieurs clubs espagnols. Le jeune homme finit par choisir le rival de son club de cœur en signant un accord avec le Real Oviedo. Il le dit ouvertement, il a choisi la meilleure option. Cette signature fait polémique dans la presse locale pendant plusieurs semaines. On déplore l'attitude du joueur et surtout de son club de lui avoir permis de signer un accord avec Oviedo malgré l'engagement existant entre Labrania et le Sporting. Mais le club était-il à blâmer? Malgré l'accord existant entre les clubs, les joueurs restent libres. Luis Enrique répond à la polémique et affirme que le Sporting ne lui a montré aucun intérêt et qu'il a logiquement signé avec Oviedo, qui lui a fait une offre très intéressante sur le plan sportif et économique. Lorsque Carlos Garcia Cuervo, entraîneur de l'équipe réserve du Sporting Gijón qui avait déjà observé le joueur, a eu écho de cet accord, il a demandé à la direction du club de s'activer pour essayer de le récupérer et a tout fait pour convaincre le joueur et ses parents de rompre l'accord. Luis Enrique avait envie de jouer pour le Sporting, évidemment c'est son club de cœur, mais il exige des garanties sportives. Tout ce qu'il souhaite, c'est d'être assuré de ne pas être envoyé en prêt dans un autre club, ce qui lui est accordé, mais l'entraîneur lui fait savoir que pour jouer, il va devoir gagner sa place. Heureusement, tout finit bien. Le Sporting lui propose un contrat intéressant, qu'il signe. Le Real Oviedo ne montre pas d'opposition. Face aux sanctions qu'encourrait Luis Enrique avec un cumul de contrats, soit 2 ans d'interdiction, le président, Eugenio Prieto, ne complique pas les choses, accepte de rompre le contrat et le laisse filer au Sporting. C'est ainsi qu'il commence à réaliser son rêve. Comme le destin fait bien les choses, il retrouve son ami Abelardo au Sporting. Parcours différent, mais même destination. Avec l'équipe réserve, ils font partie d'une génération prometteuse en 3e division, qui gagne le championnat et se hisse en 2e. Un groupe très soudé, qui sur et en dehors des terrains, était en phase. Luis Enrique était un jeune homme tranquille, drôle, amusant. Tout le monde s'appréciait, s'entraidait, ils donnaient absolument tout pour leur équipe et avaient un même rêve, arriver en équipe première. Ce rêve, Abelardo et Lucho le réaliseront une saison plus tard, en septembre 89, à 19 ans, lorsque le premier débute en Liga avec l'équipe première le 3 septembre face à Madrid à Bernabeu, et l'autre, Lucho, débute au Molinón le 24 septembre face à Malaga, dans lequel il entre à l'heure de jeu. Mais ce ne sera que son seul match en équipe première lors de cette saison. Un problème au pubis l'empêchera de trouver une continuité. A l'inverse d'Abelardo qui joue un total de 33 matchs et 2893 minutes de jeu, il a réussi à tirer son épingle du jeu à un poste qui n'était pas le sien. Lui qui au départ était un milieu à vocation plutôt offensive, il trouve une place en équipe première en tant que défenseur. Lucho, lui, devra attendre la saison suivante, 1990-1991, pour être définitivement intégré à l'équipe première. Et il ne mettra que quelques mois avant de devenir l'une des plus grandes promesses de la Liga. Il joue en tant qu'attaquant central lors de 37 matchs et 2609 minutes de jeu pour un total de 14 buts. Et pas des moindres, il qualifie le Sporting pour la Coupe UEFA grâce au seul but lors du dernier match de la saison. Et il a eu l'immense honneur de mettre fin au record d'invincibilité du gardien de l'Atlético, Abel, qui n'avait pris aucun but durant 1275 minutes de jeu, soit plus de 13 matchs. Le jeune homme, qui est admiratif de Van Basten, commence à devenir de plus en plus médiatisé. Un jugador que sin duda alguna pues te pueda tirar más es el caso de Van Basten porque creo que es un delantero que lo tiene todo completo. Está reclamando la atención de los jugadores grandes y de algunos ojeadores, ¿eh? En Madrid ya empieza a llamarla bastante la atención, Jorge. Sí, son muchos los equipos que están interesados en un hombre que muestra una extraña madurez a pesar de su reciente aparición en el primer equipo. Y más detalle de Luis Enrique. Muestras de su gran riqueza técnica. Hemos visto goles con la pierna izquierda, goles con la pierna derecha, su facilidad rematadora con la cabeza, incluso su capacidad para defender. Quelques mois en Liga lui auront suffi à attirer l'attention des trois grands d'Espagne. En première ligne, le Real Madrid, qui est disposé à payer sa clause libératoire de 250 millions de pesetas, ce qui valait aux alentours d'1,5 million d'euros. Le problème, c'est que Barcelone suit aussi le joueur. Dans les années 90, le Barça avait un accord de collaboration avec le Sporting, lui permettant de signer un joueur. Justement, Luis Enrique était une cible, et le Barça en informe son club, qui répond qu'il faut payer sa clause libératoire. Et ce, malgré l'accord de collaboration existant. Sinon, le Sporting offre au Barça des alternatives comme l'attaquant Juan Ele, mais qui ne leur convient pas. Et puis, le club catalan n'est pas forcément tenté par une opération à un tel prix, surtout Cruyff qui considère le joueur pas encore totalement prêt pour le signer et souhaite l'observer encore quelques temps avant de prendre le risque. De toute manière, l'Asturien avait décidé de son avenir, il avait choisi Madrid. Quelques semaines plus tard, le Real Madrid annonce l'arrivée de Luis Enrique. La suite de l'histoire dans un prochain épisode.